Bonjour à tous, Marwan et Mathias aujourd'hui pour vous commenter Limbourg Crolyon. Bonjour à tous, on se retrouve donc pour l'avant-dernier match de cette journée du 31e, du 18e, autant pour moi, tournoi international de Vienne. 18e bien évidemment, sponsorisé par Guy Sublet et le Domaine Garon. Et Domaine Garon bien sûr, qu'on n'oublie pas. Bien sûr. Pour ceux qui sont déjà dans le live, n'hésitez pas à inviter vos amis de manière à être le plus nombreux possible. Déjà 9 spectateurs hein, simultanés. Oui, il y a moins de spectateurs qu'au match avant. Mais ça va arriver, la Martinique. Ils vont arriver. C'est parti donc. Je ne suis pas coiffé aujourd'hui. Ouh. Et c'est parti. La détente du 12. Donc cette équipe de Crolyon hein, qui nous vient bah, de Lyon face à Limbourg, les Hollandais. Ah merde, oh non, il est déjà blessé. Ouais, le joueur de Limbourg qui est déjà à terre. Ouh là 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 là. Non, je pense que c'est qu'une béquille. Hein. Je sais pas ce que t'en penses Mathias, mais je pense que c'est une béquille. Ah, oui. Didier, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que c'est qu'une béquille. Et d'accord, oui, merci Didier. Hein. Non, mais le joueur qui essaye de rassurer son coach et qui lui dit qu'effectivement ce n'est qu'une béquille. Hein. Il faut pas s'en faire, il va re-rentrer. Oui, il faut pas s'en faire évidemment. De jolies demoiselles dans les gradins, hein, notamment dans le gradin. Hein. Oh, fais pas tenter le. Les Limbourgeois avec et la balle. On peut dire bonjour à Margot qui rejoint le live à ce qu'il paraît. Eh Margot, bonjour Margot. Bonjour Margot. C'est. Ouh là, oh, la détente du Hollandais, le numéro 9 qui s'envole pour le lay-up, autant pour moi. Les supporters sont chauds, le banc aussi. Villefranche. Ah, défense. Et oui, hein, le banc limbourgeois qui crie defense et non Villefranche, comme aurait pu le penser Mathias Bastias Rock. C'est un match qui a très vite commencé. 4-0 pour Limbourg. Un match haut en intensité, c'est vrai. On voit souvent le 9 qui a la balle de Crow. Ouh, la jolie passe. Sur les terrains de street de Lyon. C'est vrai, qui s'appelle Anubis. C'est vrai? Ouais. J'ai déjà vu, il est fort. Ouais. Chaud du zeu. Ouf. La tentative de dunk ratée. Il a très vite. Oula. Ils sont pas concentrés, la Crow. Ils sont pas concentrés. Et on repart très vite avec le 6 de Limbourg. Toujours 4-0 pour Limbourg. Romain qui va rentrer sur le, dans les tribunes. Romain qui rejoint le stade. Oh là là. Il n'a même pas regardé son Quel départ. Il a même pas regardé son tir rentré. C'est le 3 points en switch. Encore un panier pour numéro 9. 7-0. Le coach de la Croix très énervé qui fait entrer 3 joueurs d'un coup. Au bout de combien de temps de jeu? À peine 2 minutes. Encore un rebond de ce joueur neuf. Il est de partout, décidément. Ah bah c'est un two-way player. Qui est capable de jouer en passe. Attaque comme en défense. Oh là 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 là. 2 points de plus pour Limbourg. Et le meneur, toujours présent, qui joue avec son pivot. Très belle coupe de cheveux d'ailleurs. Et on remarque hein, que le meneur titulaire qui a joué hier est blessé, aujourd'hui sur le banc. Ah oui. Une absence qui pourrait coûter hein, à cette équipe de Limbourg. On avait oublié de le préciser au début de la rencontre. C'est vrai qu'hier il avait impacté son équipe très fortement. Positivement. Et positivement évidemment. Tu aurais quoi là? Rien prend. La file. Et Augusto qui fait. Elle a une tête horrible, mais bon, c'est pas.
qui fait également son entrée dans le building. Augusto. Encore Robin Salic qui est présent, il nous fait coucou, oui, Robin Salic. Augusto WM, ouais. Robin Salic qui est toujours là, hein. Augusto. D'ailleurs Augusto hein, qui va bientôt sortir sa première mixtape, hein. Vous pouvez tous aller checker ça. Et on est maintenant 13 sur le live. Et qu'est-ce qu'il fait? 3 points. C'est risqué après un écart comme ça. Le 7 qui en délai s'est battu. Le 7 hein, qui a un gros cocard et un doigt cassé. Et là, son doigt cassé. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ça a l'air vachement sérieux. Hein. C'est un joueur plein de talent, ouh, très fort dans son. Qui a été de fin, oh, très bonne passe. Là, là. Avec la faute, c'est oui. Ce joueur numéro 13 qui un peu me fait penser à Mobamba, j'ai l'impression de. Encore de le voir un petit peu dans son. Non, pas Mobamba la chanson, Mobamba le player. Bah, tu sais qu'elle est pour le joueur. Non, jure. Bah voilà. Mais non, mais. Pas non. Je te demande pas de chanter. Mais moi, je chante la chanson. Un peu et de sérieux, hein, s'il vous plaît, dans les commentaires. 36 et le match est à son comble. C'est vrai qu'il joue peut-être la demi-finale dans ce match. C'est ça la place. En demi-finale qui est en jeu. Vous avez ça avec elle fait. Également, on peut voir que Baptiste a rejoint sa copine, elle qui était tchatchée par Pierre-Alexandre. Ah, Baptiste, fameux Baptiste. Hein? Ouh, le coach néerlandais qui s'énerve sur son banc. C'est vrai que son équipe ne joue pas à son meilleur niveau. Bien joué, ça repart et c'est presque dans le panier. Oh, la claquette, c'est raté. Il n'y a pas de réussite du côté de l'accro. Ça a peut-être shooté. Et oui, un bon shoot. Extra passe, c'est dedans. Hey, joli là, ce 3 points. Bang, 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 bang. T'as compris? Voilà. Évidemment, la tension est à son comble. Combien 11 à 5. 11 à 5, oui. Nous avons eu un problème de son. Et excusez-nous. C'est hein, la régie. On s'y remet plus sérieusement. Et la touche limbourgeoise. Comment on dit? Limbourgeoise, ah, comme oui, tu l'as prononcé, il n'y a pas de souci. Salomé, comment vous le rappelez, comment on le dit? Limbourgeoise. Merci Salomé. Et ça repart très vite, l'attaque avec le gros lion. Toujours pas 10. De commentaires sur ce live. Hein. Et Mobamba pour l'écran, pardon, le 13 pour l'écran. Avec Malcolm Brogdon, on dirait, tu ferais pas? Du tout. Qui joue avec... Non, pas du tout. Malcolm Brogdon. Oula, oula, le départ, magnifique ça. Et joli tir, 2 points. 2 points du numéro Anubis, tu m'as dit. Ouais, je crois que c'est Anubis. He's in the building. C'est possible en plus, je crois que ça me dit quelque chose. Oula, ils l'ont attrapé la tête plutôt que la balle. Oh, la passe, magnifique. Oui, normalement accordé. Ouh, le coach néerlandais est très énervé. 11 à 9, vous êtes sûr? Qui... Oui, 11 à 9, donc pour Limbourg, avec un coach très énervé qui prend Tom.
Lucas qui reprend hein, avec la balle à Limbourg, le meneur numéro 6 qui va tenter de mettre en place son équipe. Tactique, c'est vrai que son équipe ne joue pas à son meilleur niveau aussi. C'est juste qu'Acrolion s'est réveillé, je pense, surtout. Faute. Faute, oui. Bien joué, ça, la balle. Hein, numéro 10. Un joueur hein, qui, dont le profil se rapproche un peu de celui très connu, c'est Koudoumbouya, hein, qui joue à Limoges actuellement. Un joueur très athlétique. En quoi il ressort, c'est Koudoumbouya? Parlez mieux, hein, s'il vous plaît, Jean-Pierre. Je vous demande gentiment, en quoi ressemble-t-il à Sekou Doumbouya? Eh ben, en termes de, d'agressivité, de polyvalence, de style de jeu aussi. Hein, ah un oui. Grand longiligne. C'est vrai, c'est vrai. Ce tournoi plébiscité par tous les grands fans de basket. Bah, c'est un peu comme K54, j'ai envie de dire. Oui. C'est une référence. Sans Michael Jordan. C'est ça. Bah, avec Mathias Bastien. Johan Duchesneau est, hein, est là. Johan Duchesneau, pardon. Johan Duchesneau est toujours présent pour ça. C'est une référence hein, dans le basket mondial. Y a-t-il des choses sur le chat? Wouh! 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 Le compte. Incroyable. 16 spectateurs. Ah. Les gars, on fait quoi à midi? Et donc, un premier message de Nicolas Pierre qui nous demande ce qu'on fait les gars. Ça dépend quel camp et qui. Alors, bah, il faut savoir que Vienne a perdu son premier match ce matin contre l'Acrolion. Mais et là, ils ont gagné de 30 points. Ils viennent de gagner 30 points, une équipe faible de Brutanac. Voilà, donc on espère avoir répondu à ta question. On espère si. Et tout revoir sur les terrains. Pour tous ceux qui. Exactement, hein, après ces longues études. Hein. À très vite sur le parquet. Pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, hein, sur le live, c'est fait pour ça. Nous sommes 16, je crois. C'est énorme. C'est quoi le score? Et ça repart très vite, encore le 6 à la main. Il cale le jeu. Le 13 qui a un demi-3. C'est quoi le score? Donc nous avons un score de quelque chose à 13. 10. Et donc ce score qui est de 13 à 10 pour la Crolion. 10 à 13 Oui, qui perdent, autant pour moi. Ah, c'est la pause du midi, hein, on est un peu fatigué. Hein. Un peu fatigué, on a eu le repas avant. Comme les matchs de NBA extra sur Bainsport. C'est ça. Et bah on enchaîne. C'est exactement. Ouh, oh, je step back. Ouh oh, là là. Le 5 qui fait parler de son talent là. Hein, qui... De trouver l'espace, c'est simple, mais de marquer après. C'est plus compliqué. Ouh là là, le tir du. Facile ça. 3 points du numéro 6. Mécanique de chute excellente et le panier rentré évidemment. Écran. Amco. Ouh là, ouh, le cross de Mobamba. La petite passe. Le petit. Oh, il ne laisse pas prendre ses tirs aujourd'hui. Oh. Aïe. Le contre hein, orchestré par Sekou Doumbouya. Il a posé la saucisse sur le barbecue. Oh le tir. Ouh là là. Ouh. Ah, ce panier qui ne sera pas accordé hein. Donc une avance de 6 points à la fin de ce premier quart-temps pour Limbourg.
le match qui reprend donc. Et pour un peu se suivre le live, on a Nicolas Pierre qui nous confirme donc son retour l'année prochaine au sein de l'effectif de l'AVSR. Et merci à de nous avoir confirmé le fait que ça soit. Oh, et le 3 points hein. Le 3 points d'Élie Bourgeois. Quelle erreur. Le coach de l'accro, on dirait qu'il va les tuer. Et ouais, le coach va tuer tout le monde. De l'accro, hein, plutôt énervé. Et donc, voilà, exactement. Et oui, alors pour les tickets de Tombola, si vous en avez envie, vous pouvez aller chercher vers Joe Mendy. Oui. Oh, peut-être encore 3 points. Et c'est on part vite. Trick contre-attaque, ça joue vite. Ça accélère. Il ralentit le jeu. Belle défense, accélération. Il pénètre. Belle passe de Bombamba. De temps, bien. Et la claquette, hein, ça payera toujours ce genre de petites actions. Hein. Ça joue bien. Alors qu'on voit Joey parler à des femmes âgées de moins de 18 ans. Lui qui est âgé. C'est une boutade. C'est une boutade, évidemment. Et. Oh, là-bas ils sont parfaits synchro, ils ont bu en même temps leur canne de coca. Ah oui, c'est dingue. Avec bientôt l'arrivée de la Kiss Cam hein, dans les tribunes. Kiss Cam. Oh, double cross, c'est raté. Oh, 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 oh. Ouh, la claquette, hey, dommage, c'est raté. Il se fait marcher dessus l'arbitre, il dit rien. Et le tir du 7, oh, dommage. On a pas fait quelque chose, Marwan. Tes pronostics? Oh oui, les pronostics, on a oublié. Et moi, je pronostiquerai une victoire de la Cro-Lyon. Moi, je suis certain d'une victoire de Limbourg qui a bien commencé ce match. C'est sûr. Et qui continue. Mais bon, dans la durée, ça me fait. La Cro-Lyon qui a quand même fait deux matchs aujourd'hui, donc ils sont fatigués aussi. C'est sûr que sur ce point de vue-là. Alors, Limbourg n'en a fait que. Ouh là là, la faute, hein, bien sûr, du numéro 10 de la Cro. Notez que ce tournoi est très fatigant avec Provence, que c'est 4 matchs. Enfin, 3 matchs de poule sur 2 jours, pour certains et certains sur 1 jour, de 4 fois 7 minutes. Donc cela est énorme. Sur le plan physique, faut être costaud. De lancer à venir pour votre, comme on vous disiez, c'est Kudumbuya. C'est ça. Alors que nous sommes actuellement 14 sur ce live. Lectures. Eh oui. Et le premier qui est marqué. Et ça repart de l'autre côté. Bonne passe, ça joue vite. Très bien, on prend de l'espace. Mais la défense de Limbourg est énorme. Eh oui, Mobamba va marquer quand même. Ce joueur qui a été laissé seul réussit à marquer d'une manière plutôt simple. Elle amène le même joueur. Oula. C'est vrai qu'il doit remplacer l'intérim, j'avais oublié. Du joueur blessé star, oui, hein, de cette équipe qui a fait beaucoup de mal à Florian Pierre le jour d'avant. Mais bon, notre cher Florian Pierre s'en est très bien sorti. Le 12 en 2003 de 2010. Et la faute de l'ancien avenir pour Mbamba. Toujours autant de spectateurs dans la salle, les yeux fixés sur le terrain. Premier lancé accordé pour l'accro, 20 à 15. Et oui, l'écart hein, qui se resserre. Et maintenant, plus que 3 points. 4 autant pour moi. Ça se décale. Écran, il bloqué, il ressort sur le côté. Belle passe, c'est dommage. Oula, oula, oula. C'est joué vers l'avant. Cross, double cross.
Ça joue bien. La défense de Limbourg est toujours aussi présente. Marché, non? Comment a-t-il pu rater ça? Eh bien, avec ses grands membres, ses grands bras, il peut être parfois difficile de bouger. Ouh là là, Marché, peut-être, non? Double contre! Double contre, ouais, du pas chez lui, pas chez lui! Et la faute du numéro 12. Il y a un changement à venir du côté Limbourg. Comment? Ah oui. T'avais oublié. Et temps mort. Donc on se retrouve et du lancer. Et le premier est inscrit, on est à 17 avant. Le retour de Clacro. Mes pronostics vont-elles tenir, Marwan? Oui, moi je vois toujours une victoire de Clacro Lyon sur la durée. Augusto ne voudrait peut-être pas commenter le match après. Où est-il d'ailleurs? Là-haut. Ah oui, Augusto, hein, on a besoin de tes talents pour commenter, s'il te plaît. Augusto est appelé à l'appareil. Et oui, hein, et les joueurs de belle pénétration et de lancer. De Limbourg, hein, qui possède des joueurs. Le 10 de la Croix qui demande un passage en force. Enfin, qui réclame. Comme je disais, Limbourg qui possède des joueurs vraiment grands par la taille. Hein. Comme le 15 ou encore le 13 ou le 12. Qui font tous les trois plus de 2 mètres. Oui. Tout simplement. Ah, il transpire des fesses. Qui ça? Bah le 11. Et oui, le 11, hein, qui transpire des fesses, on peut le souligner, je pense. Ah non, c'était la couleur du maillot. Eh oui, c'était la couleur du maillot. Ah oui, je croyais que... Désolé, c'est son slip. Ah bah c'est pas son slip. Si, du coup. Et il a marqué ou pas? Je suis pas sûr. Eh, deuxième fois qu'il tombe du match. Ouh là là, un blessé. Et encore le deuxième meneur, hein, qui se blesse. Deuxième fois qu'il se fait mal. Oh là là, cette équipe de Limbourg décimée par les blessures. Quel dommage, quel dommage. Eh oui, c'était ça qui va leur faire perdre aujourd'hui. C'est ça, hein, c'est bien ce que je crains d'ailleurs. Un meneur plus faible. Un arrière aussi qui ment bon. C'est vrai qu'ils ont quand même une rotation au niveau au secteur intérieur et ça. Et deux points encore du 10. Wow, beau cross, c'est toujours le même. Hein. Ouais, le 13 qui possède un cross, hein, pas mal. Le même, mais il passe à chaque fois. Et en attendant la faute du numéro 15, il me semble. Et l'entrée du numéro 5 pour la sortie du numéro 7. Et le premier lancer qui est raté.
Marqué ou pas? Deuxième marqué par l'Acro Lyon. Et déjà la faute hein, de l'autre côté du terrain. Un peu plus de concentration peut-être pour vous Jean-Pierre. Hein. C'est pour toi que je le fais, hein, pour moi aussi. Oui, non, mais les messages à ta copine, je pense pas que ça soit pour... Je n'ai pas de copine. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. C'était peut-être ma copine alors. Oui, j'ai tendance à lui parler souvent. Dédicace à toi la copine de Marwan. Yes, ma copine la plus jolie d'ailleurs. Hein. Qui se prénomme Émilie. J'allais dire Delphine. Ah, attends pour moi Delphine. Delphine, ça rejoue. À l'intérieur avec le 15. Alors que Florian Pierre veut venir commenter ce match. C'est vrai? Ouais. Il est où? Là-bas. Bah dis-lui de venir. Donc prochain match. Je vais juste venir à côté si j'ai envie. Il peut venir s'il a envie. Alors que nous. Le score qui est toujours de 23-21, mais c'est ça. Il va nous faire un coucou. Donc balle à l'accro. Balle à l'accro et c'est reparti en attaque. À la main, le 5 à la main. Et double écran, non ça joue pas sur des écrans, corn, le 15, ouh, il défie son jeu, ouh là là, regard. Ouh là là, jab, belle passe à l'arrière pour le 12, ouh, quand il shoot tout son corps est en extension, c'est un dingue. Ouah, belle défense. Non. Et en attendant la balle au 9. Et le N1 Quel paillet dit, c'est phénoménal. En potentiel MVP, son équipe se qualifie en demi-finale. C'est ça. Vu du terrain, hein, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Hein. Cette domination physique, incroyable. Il a marqué son lancer ? Il l'a marqué. Le score qui est donc de 26-21 pour Limbourg. Et ça rejoue. Écran, le 10. Pick and roll, il joue tout seul. Ouh, marché. Il a cru qu'il pouvait faire 4 pas de plus. Et ben non. Cela est interdit. Ça joue vite. Le numéro 9 à la main, à la place du 6. Le numéro 9 qui monte la balle hein, et qui est doté d'une excellente détente, hein, on a pu le remarquer tout au long de ce tournoi. Ça rejoue avec la star de cette équipe aujourd'hui. Pour un 3 points tout seul. Oula, oui, c'est raté. Presque. Et ça accélère. Marché, non ? Marché départ hein, qui n'a pas été vu par le corps arbitral. Ouh, le tir. Ouh, joli. Ouh là là, plutôt pas mal. Oh, le joueur qui a même le temps de regarder la caméra. Quelle classe. Et encore un 3 points. Ah, alors que Margot barre. Nous dit au top les commentateurs. Eh ben on fait la bise à toi Margot. Eh ben la bise hein, la bise ça fait. Pêcheur gang comme on dit. C'est ça, ça fait très plaisir un hein, tes commentaires qui nous touchent profondément. Cœur sur toi et sur François. François hein, qui est un de nos plus grands sponsors, hein, lui qui participe à la hauteur de 100€ chaque année. Évidemment. Ancien joueur de pro. Ah. Ouais c'est ça, Paul Cortez. Voilà. Ensuite à Limoges et a terminé sa carrière à Nantes Beaujolais la Jolie. Ouais, où il a gagné 3 titres de champion en tout. Et il a le temps d'avoir comme merveilleuse fille Margot Barre.
et un titre NBA. Hein. C'est évidemment. Parce qu'il a joué avec évidemment les Cleveland non. Cavaliers. Si, en 2016. C'est ça. Mais il jouait pas. Hein. Eh oui, il jouait pas. Hein. C'est ça le problème. Hein. C'est qu'il il était dans le staff technique. Il chauffait le banc. Hein. C'est ça. Comme on dit, le banc avait la forme de ses fesses. Encore un lancé pour il a marqué le numéro 12. Il l'a raté. Dedans. Et le deuxième lancé qui est marqué. 29-22 pour quel panier Limbourg. D'exception. Quelle accélération. Aïe. Oh, oh la faute sur le numéro 10. Oh alors on a un autre message hein, sur le live de Palex. Palex. Vous êtes des brels. Vous êtes des brels. C'est Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, bah, d'accord. Merci. Eh ben merci à toi, écoute, on te retourne le compliment. Ouais. Bah écoute, si tu veux venir boire un verre, un de ces quatre chez Momo, bah tu peux y aller. Hein. Il t'attend. Toujours là pour toi, mon cher Pierre-Alexandre. C'est ça. D'ailleurs, en 2 ans, on se rejoint dans la même fac. Pardon ? Je vais aller dans la même fac qu'avec Pierre-Alexandre. Ah oui, bah il te rejoindra à la fac pour les cours dispensaires. Oh, 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 jump shot. Oh là là, oh, la planche ravageuse. Il explose la planche, mais ça rentre. Du numéro 13, Mobamba. Alors que la salle se remplit peu à peu en marge de la finale qui va bientôt arriver demain. Avec de nombreux guests hein, dans cette salle dont on ne vous citera pas le nom car vous le connaissez déjà. Oh là là. Il calme le jeu. Oh là là, cash shoot. Ouh là là, oui. Dommage. Ah, deux lancers. La faute du numéro 11. Il y a combien? Toujours le score qui est de 29 à 24 pour Limbourg. Limbourg, autant pour moi. Sauf qu'il y a deux lancers, je rappelle. Donc ça va peut-être revenir à 29-26. 29-25. 29-25. Très beau lancer franc d'ailleurs, on peut le remarquer là, le oui. Geste du poignet qui était très on flic. Regardez, oh là là, perfection. Ouh la faute peut-être, non, c'est dommage. Il n'y a rien, il reste droit. Et voici donc la mi-temps, Limbourg qui domine de 3 points, l'Acro Lyon. A tout de suite, restez bien connectés.
mesdames et messieurs, le match à reprendre. On retrouve notre deuxième commentateur. Attendez, monsieur le deuxième commentateur. Aïe, aïe, aïe. Tenez. Et le match reprend avec le 6 à la main. Cool, je pensais là. Et oui, le 6 hein, qui mène le tempo dans ce match. Et le 3 points pour commencer. Je suis allé shoot à la mi-temps, j'ai mis un airball. Jure. Non. Ouais, tout seul. Et 3 points. Pétration 1-2. Oh, le compte du 10. Et quel compte phénoménal. Le coach néerlandais toujours aussi énervé. 3 points d'écart. C'est un match fou. Oula. Oh, faute. Monsieur Habit quand même. Mince, le micro, il était pas à côté de moi. Hé, hey, tricheur. Il se passe quoi? Bah, changement. C'est le moment des dédicaces, hein, et j'ai envie de faire une grosse dédicace à la cousine de Yanis, hein, qui nous regarde peut-être en ce moment. Hello, Yanis. Il va bientôt arriver. Dédicace à ta cousine, Yanis. Ah, mais sa cousine pour de vrai ou sa cousine factuelle? Factuel. Oui. Le lancer marqué par l'acro-lion. Eh ben on verra, on espère qu'il écoutera. Passe-lui le bonjour. Oui, j'ai un problème de micro. Et la jolie pénétration du 5. N1 pour le joueur de Limbourg. Lui qui s'était blessé à deux reprises avant la mi-temps, qui marque ce N1. Ah, mon micro s'est rétabli. Et oui, le N1 qu'on a pu voir. Didier, vous en pensez quoi? Il a posé ses appuis d'une très belle manière, ce qui a permis d'avoir ce N1, mais il a raté son lancer franc, c'est très dommage. Merci Didier. Oul. Alors qu'on a Selena à l'appareil qui veut nous poser une question. Oui, bonjour. Ça serait pour avoir le Instagram du numéro 13. Alors Selena, c'est son Instagram, c'est le beau gosse du 6-9. Voilà, allez l'ajouter, hein, il est vraiment très robuste. Évidemment. Dédicace à tous ceux qui nous regardent. Merci à tous. Tous ceux qui nous regardent, vous pouvez commenter, hein, enfin, laisser des commentaires hein, sur l'espace live, puisqu'on est maintenant 22. Hein. C'est notre corps, 22. Et le 3 points. Impressionnant. Limbourg, 3 points. Ça joue à 45, écran de Mbamba. Pick and roll simple. Et la belle défense. Oh putain, il s'est énervé. Il rate, que le 10 est très fort, je trouve. Ouh, la fin de passe. Merci Yanis, d'ailleurs, pour les crêpes. Oui, les crêpes hein, fournies par l'association Yanis, je te paye une crêpe.com. Ils font short aussi. C'est pas le même. Je te jure, c'est le même. T'as le gars, il part là-bas, il remonte. Par contre, tout le monde t'entend là. Bon, bah, ils font short aussi. Wow. S'il vous plaît, commentez. On n'a pas beaucoup de copains sur. Wow, 23. Commentez sur le live. Merci les amis. S'il vous plaît. À chaque commentaire ajouté, un arbre sera planté au Guatemala. Faites une bonne action. Commentez dans le live. Et la bonne passe. Mais le 12.
qui a du mal à catcher cette balle. Marwan, j'ai pensé à une blague d'ailleurs. Vous savez, qu'est-ce que font les gens de République Tchèque quand ils s'ennuient? Ils font des tchèques? Non, ils jouent aux échecs. Ah, et tchèque-mat d'ailleurs. Oh là là. Il y a eu 2 points. 2 points, oui, 2 points de la Croix-Lyon. Qui revient à 5 petites longueurs. Oh! LeBron James est arrivé dans la salle! Croix-Lyon qui ont la balle pour revenir à 2 petites possessions. Il y a LeBron James dans la salle et tu dis rien. Je m'en fiche. Bon bah, LeBron est parti. Oh. Ouh là là, dommage. Le coach de la Croix-Lyon a l'air tout le temps énervé. Sorti. Balle noire. Et la balle perdue par le numéro 9 de Limbourg. C'est limite, hein. C'est limite. Certains supporters se plaignent de la faute, mais je pense qu'il a sorti. Presque faute, hein, je pense. Ah non, pas sûr. On voit quand même à quel point cette foule était serrée. Parce que la VSR qui a perdu contre la Cro, hein, qui a battu Limbourg, et Limbourg qui bat la Cro. Et l'interception du numéro 10. Ouh là là. Oh, le numéro 10 qui fait ce qu'il veut, hein, dans ce match. Lui qui domine depuis le début. Hein. Il y a 25 personnes. Oui. C'est énorme. Si, sauf qu'il aura un bon. Pour rappel qu'on peut voir. Et l'arrivée des Miss Monde dans ce stade. Oui, je parle bien sûr de la cousine de Paul. Et de Paul tout simplement. Reste concentré Mathias, je vois que tu dévies du regard. Alors que nous sommes actuellement 27 dans live, c'est incroyable. 27 24 24, abuse pas. C'est 94 lectures quand même. C'est un record. 94 personnes qui regardent en tout. Un j'aime, une personne a lâché oui, un like, on vous aime. Un pouce bleu, merci à eux. Enfin à lui du coup, il est tout seul. 94 lectures. C'est énorme. Oui, n'hésitez pas à inviter vos amis dans ce live, un live d'exception comme vous pouvez le voir. Partagez sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, Fax, Reddit, Booking.com, WhatsApp, Turama, WhatsApp, la Fnac, Simpson, Les Tuches, Les Pingouins Madagascar, Nike. Sur Adidas aussi. Et ainsi que Assos, hein, parce que Assos c'est une association associative. Hein. Et le départ. Évidemment la boulangerie Paul. Voilà, merci à tous. Et partagez ce tir. Oh, shoot. Oh là là. Le petit layback. Le contre. Waouh. Les coups qui se prennent, j'aimerais pas être dans le temps. Ah, j'aurais aimé moi être dans le temps. Ah. Oui, car bon, faut que je vous le dise. Non. On verra ça hors antenne. Polo, il vient de rentrer dans le terrain. Toujours pas de commentaires hein, sur ce live. Alors qu'on a 21 spectateurs, c'est un des meilleurs scores de journée. Et un lancer pour Ryan. Si votre clavier marche, veuillez taper sur 1. Merci. Romain Tétier qui arrive seulement maintenant. Accompagné de ces demoiselles. J'aimerais bien être l'Ice Tea. J'aimerais bien être la chaise. Ouh oui, encore plus. Ou encore le polo. Le polo. Ah, qu'est-ce que ça doit être plaisir d'être un polo quand même. Alors que la cohue hein, s'installe un peu sur ce terrain. 41-34. Puisque la touche pour la Croix-Lyon. Un match pourtant serré, hein, 41-34. Bon, on vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est pas les matchs avec le plus ambiance. Ouh là 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 là. Demain, car ce sera les matchs de classement et demi-finale. Et là, vraiment, la tension sera à son comble. Il y a combien
5 points d'écart seulement. C'est le 3ème carton, le 4ème. La 3ème. La Croliante qui se situe donc à 5 petites longueurs de son homologue. Oh. Il n'y a rien. Non. Ah si, faute offensive. Est-ce que tu penses que quand je tape comme ça, ça fait du bruit ou c'est désagréable pour ça fait du bruit, c'est désagréable, je pense. Voilà, c'était pour le test, merci. Bisous. On peut remercier Antoine, notre caméraman. Big up. Oui, Didier hein, qui est toujours là. Antoine oui. Non, Antoine, je disais. Ah oui, Antoine, bah merci à lui. Hein. C'est sûr que se lever à 8h du matin pour venir filmer, c'est peut-être pas ce que tout le monde rêve, mais sans lui, nous ne serons rien. Oui, donc on peut remercier Antoine. Merci, Antoine. Et Pichek à côté qui s'échauffe. Alors que nous mettons en place le nouveau jeu, toutes les personnes lâchant un commentaire se verront bénéficier d'un chèque cadeau pour le domaine Garon. 15 euros de bon d'achat. Oui, et c'est Paul Garon lui-même qui a accepté cette proposition. Et qui vous remettra en main propre les sous. Oui. Effectivement. Alors que Nathan Gavio Blanc possède un t-shirt en damier. Qui est très joli, je ne sais pas lui dire tout à l'heure. Mais il est très bien habillé aujourd'hui. Il s'accorde avec son teint. Et deux points de Limbourg. Hey. Et la fin du troisième carton. On se retrouve très vite pour un quatrième carton chaud bouillant. A toutes. Et c'est reparti pour ce quatrième carton. Dernier carton. Et c'est combien? 9 points d'écart. 7 points d'écart, merci Mathias. oui, il y a un quatrième carton qui s'annonce chaud bouillant. Le petit Skyhook. Et le rebond. Ça repart en contre-attaque. Et la zone mise en place par les joueurs de Limbourg. J'aimerais rappeler que Paul a dit qu'il exploserait le 4 de Pissek. Ah pas là du là. Tout. Paul, il nous fera bien rire. Marché. Marché départ, non?
Alors que la VAR est demandée pour vérifier. Ah, c'est sa quatrième faute personnelle. Aïe aïe aïe. Coup dur. Mon pull est toujours à côté du banc. Très intéressant. Baptiste a mis un papier à la poubelle. Waouh. Et lancé. Raté. Deux lancers francs ratés, c'est pas possible à ce niveau. Apparemment si. Miskin. Je te permets pas hein, de juger les joueurs comme ça qui viennent de si loin. Et le retour de... Tu veux quoi Marwan? Ah non. C'est bon, toujours pas de message sur le chat. Non. Et on voit la contre-attaque. Ouh la percée. Oh là là, là joli panier hein. Du numéro 10 toujours. Qui... Ouh là là, quel malheur. Le numéro 10 qui semble s'être blessé. Il y a une crampe. Ah la crampe. Aïe 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 la crampe. Aïe 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 la crampe. Thibaut. Mais non, il y a personne qui commence. C'est moi qui fais ça, Thibaut d'abord. Ouais. Oh. Ah là là, tendon. Si c'est le tendon, cela peut faire très mal. Alors que le joueur qui effectue un bon match, on peut se le dire. Ouais, non, c'est une crampe ou le tendon. Une crampe. Si c'est tendon, ça peut être dangereux. Tendon, ça peut être une fin de. Ça fait mal, hein. Une fin de saison. Ah oui, c'est peut-être le tendon. Aïe aïe aïe. Eh oui, hein, le joueur qui quitte le terrain sous les applaudissements. Ah là, du fait de son bon match. Mais non, tout simplement qu'il est baissé et que ça peut être grave. Également. Tu n'es pas obligé de caresser ma cuisse pendant le live, Mathias. Oups. C'est quoi la réduction ce soir? 5€ ça vaut pour 8 bus. Hein? Pour 8 bus. Wow. Au Paris? Non mais c'est nul. Bah 8 bus c'est genre pour aller à Paris. Excusez-nous. Revenons à nos moutons. Revenons à nos biquettes. À nos chèvres. T'en es une belle toi de chèvre, Mathias. Oh, oh, oh. Le vrai goat. Voilà, merci à tous. Merci pour ces commentaires toujours au top. On voit toujours le 10 blessé là-bas. Bien, belle défense de l'accro. Ouh, un jeu physique, hein. Il y a ouh, le tir à 3 points raté. Il y a toujours 7 points d'écart, la croix qui va peut-être revenir. Ça va pas vite en attaque. Bon, reportez. Reportez. Ça fait 5 reprises de suite, le 10. Les arbitres n'ont pas vu les reprises du 10. Et le joli panier du numéro 12 de Limbourg. Qui est en 2003, je le rappelle. Incroyable. Et la zone mise en place par l'équipe de Limbourg fait un vrai effet sur l'attaque de l'Accro Lyon qui vient de rater 2 tirs d'affilée. Alors qu'il y a 3 secondes qui sont sifflées contre le numéro 15. Ça repart avec le 10 en attaque. Il y a 3 points pour revenir au score. Ah non. C'est trop forcé tout ça. Et la faute. L'efficacité n'est pas là pour l'accro aujourd'hui. Il reste combien de temps?
Ce qui va nous donner lieu à un tableau assez serré, hein, puisque dans la poule. Je ne comprends pas comment ils vont faire. Toutes les équipes auront gagné 2 matchs. Sauf. Et bien évidemment, la dernière, hein, donc Brutanac. Pisek. Bah non, Brutnac. Brutnac. Brutanac. Non. Si, je crois. Brutunac. Brutonac. Oula. Y'a rien. Il est tombé tout seul. Oh, l'entrée du 13 qui est 4 fautes, je le rappelle. Oh, les Hollandais, ils sont rouges, frère. Rouge, oui, bien sûr, comme la couleur de leur maillot, hein. Bien évidemment. Ils sont énervés, rouges, énervés, en colère, vifs. Parce que leur équipe fait des erreurs. Mais ils gagnent quand même, donc... Oh, ça rejoue. Défense. Oh. Défense. Ouais. Y'a rien. Joli panier de la Croix-Lyon qui revient à 7 points. J'aimerais bien un retour quand même de la Croix-Lyon. Fin de match, je suis plus tôt en fin de match. Waouh, 119 lectures. Et on repart très vite en attaque, on attaque avec 7 points d'écart seulement. Ça repart vite. Et qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de mouvement, il ne se passe rien. Ça pénètre. Bien. Il tente encore. Heureusement qu'il est au rebond parce qu'il rate tout le set. Tout. Aucun panier à 3 points pour le moment. Eh oui, mais c'est peut-être dû à son coca, hein, lui qui voit que d'un œil. Ah oui. Je pense que ce match va se jouer à l'équipe la plus solide, le meilleur collectif. Et temps mort pris par la Croix. Ah non, par Limbourg. Eh oui, Limbourg. Hein. Qui sont fait revenir sans problème. On revient après. Ah, tout de suite. Alors que nous nous retrouvons pour le début de ce quatrième carton. Évidemment. L'écart est toujours de 5 points. Alors que Yanis Pagano est en train de se faire racketter son paquet de bonbons. Et où Yanis? En haut à droite. Regarde, là-bas. Qu'il est beau là-bas. Big up à lui. Futur styliste d'ailleurs. Et Anubis avec la balle.
pour l'écran. C'est le Anu 1 ou le Anu bis? Et zone presse? Pas du tout. Si. Non. Non. 15-42. Et le joli panier sous la défense. Ça pénètre à 3 points. Mais tire pas. Il rate tout depuis le début, lui. 3 lancers. Ouais. Et la faute à 3 points qui va donner lieu à 3 lancers pour le 3. Numéro 7. Et oui, 3 lancers, ils peuvent revenir à combien? Ah non, à 4 points seulement. 4 points toujours. Mais le premier est dedans. 49-43, 6 points d'écart. Et il est dedans aussi. On est à 5 points d'écart seulement. Temps mort de Limbourg. Alors que l'accro est revenu à 4 points. 49-45. T'es capable de le faire toi? Bah oui. Bah non. Mais toi t'as pas de courage mec. Oh vas-y, on va répondre, on va répondre. C'est qui Damien Perret? C'est qui Damien Perret? Oh, vas-y, vas-y, on lui répond, on lui répond. Mets en route. Ah bah, ah mais c'est... On avait pas arrêté. Merde. Ok. Alors sur le live, un commentaire de Damien Perret qui nous dit: à défaut de grand basket, au moins les commentateurs nous font rire. Et eh ben ça nous touche. Et ben ça nous touche. Merci beaucoup Damien. Ben un grand big up à toi. Hein. On est honoré de ton. On est content qu'on te fasse rire. Et Jason qui nous dit: get them Yael. Oh. Ouh là là, le contre. Oh, y a rien. Oh, l'arbitre qui siffle le faute. Donc Jason, merci. Non mais il parle à Yael du match. Peux-tu préciser qui, quel numéro c'est? Oui, Yael, on ne connaît pas. Connaît deux prénoms. Et le premier lancé est marqué, hein, bien sûr. 5 points d'écart. Combien de temps? Damien, n'hésite pas à préciser ton identité, s'il te plaît. Comment vais-je rentrer chez moi après? Bah, je pense que tu peux prendre le bus 4. Oh, mince. Et la faute. Et la faute alors que lancer, son... Vas-y, je fais, t'inquiète. Alors que le deuxième lancé est raté. Alexandre Deveau qui est debout et qui fait des grands signes. Assis-toi s'il te plaît, merci. Oui, s'il te plaît Alexandre Deveau. Tu nous embêtes. Alors que Augusto se lève. Oh, Augusto qui va venir au commentaire peut-être. Ah non, peut-être pas. Ah non. Pas du tout. Je sais pas, faute. Il s'excite tout seul cet homme bizarre. actuellement sur le live. C'est le record d'être ici
On est vraiment fiers d'avoir établi ce nouveau record mondial de streaming sur une seule vidéo. La faute. Faute, monsieur Lavi. Récupération du 9. Le voltigeur la passe. Et les deux points, facile. Alors que Canonio New View nous dit SVBD en force. Saint-Vallier. Saint-Vallier, bien sûr, qui ne sont pas dans ce tournoi. Merci de ton commentaire. On a deux joueurs. Un joueur qui participe. Commentez un max, les copains, puisque nous sommes actuellement 28 dans ce live. Ouh, la mauvaise passe. Qui, à mon avis, va sceller le sort du match. C'est la victoire de Limbourg, je pense. Et un temps mort demandé par eux. Un énième temps mort demandé par la Crolion. Alors que Damien nous signale qu'il y a un joueur de la SFBD apparemment qui jouerait avec l'accro. Oui, et bah merci de nous l'apprendre. Merci, hein, on en apprend tous les jours comme on dit. Hein. Alors que ma maman rentre dans le stade. Bonjour maman. Bonjour Florence. Pardon, fallait pas me lancer. Il a lâché le nom. Donc sa maman s'appelle Émilie. Hein, ceux qui veulent des infos, je suis là. Et ça repart vite en attaque. Waouh. Ouh là là, le drive. Oh, get that one. Oh my goodness. Oh my goodness. I can't believe it. Oh. Ouh, Canon View qui nous dit si on ajoute Morgan. Belle connexion avec. Et oui, Morgan. Et oui, ouh, le 3 points du numéro 10. Effectivement, ah, Morgan. Le 10, d'ailleurs. Morgan, on l'a vu tout à l'heure dans les couloirs qui était bien sympathique. Lui qui avait joué les précédents tournois. On se demande pourquoi il n'a pas joué cette année d'ailleurs. Bah, c'est trop vieux, non? Non, peut-être une fatigue certaine. Lui qui joue en national notamment. Ouh, le panier raté. Et ça fait deux lancers. Lancer franc. Alors que nous sommes bientôt 27 dans le gymnase. Un grand record, hein, quand ah ouais, même. On est plus, on est 70 là, 80. On a fait, regarde, on est 31, on est le meilleur. Meilleur record. Ouh, regarde, c'est le numéro 8. Le joueur de la SFBD, le numéro 8. 8-8-8. Ah oui, je reconnais, bien sûr. Sa tête me disait quelque chose, il est sur le banc actuellement. Oh. Eh oui. Tu sais que je le connaissais vraiment, gros. Oui, c'est vrai, je vois. Alors que la balle est en mort. 32 spectateurs, c'est incroyable. Merci Damien Perret pour toutes ces infos. Laisse sur le 32 spectateurs actuellement. Reste dessus. Il restera 18 secondes et combien de points d'écart? 18 secondes et combien de points d'écart? Laisse ce truc. Ah. Attends, 18 secondes et 10 points. Non, c'est pas à jour. Il y a combien de points d'écart? Ah, on a oublié de mettre le score. 47. Non, il y a juste... Seulement ? Ouais. Et on va couper le micro, hein, là on a oublié. À bientôt.
Nous sommes 33 spectateurs simultanément. 34. C'est dingue. 34, c'est incroyable. Je n'ai jamais parlé. Merci. Damien qui est le seul avec qui on parle. Hein. Merci à lui d'ailleurs. Oh, faute. Nous sommes actuellement 34. C'est un world record. Je n'ai jamais. Oh, la faute. Oh, merci. Faute et la faute, bien sûr. Je n'avais jamais parlé devant 34 personnes dans ma vie. Bah merci, vous avez réalisé. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. Si vous voulez une blague. Attends, de lancer front. À quel jeu jouent les habitants de la République tchèque? Aux échecs. Ou alors ils se font des tchèques. Et tchèque et mat. Oh là là, bref. Alors que le premier lancer a été raté, hein, on vous le signale. Oui. Oula, il s'est fait virer. Oula là, le numéro 10 qui se fait virer. Oula, il est énervé. Ça stop. Qui s'est frotte ses frites. Eh, qui s'est frotte ses frites, c'est exact. Et le deuxième qui est réussi par le joueur. Incroyable. Et la faute à 3 points au buzzer. Ce qui nous permettra d'assister à quelques minutes de bonheur en plus. Ah, 3 ans, c'est de plus. Ouais, c'est du bonheur en plus. N'oubliez pas d'ajouter. C'est bientôt la fin de ce live, donc n'hésitez pas à nous ajouter sur Instagram. M10B8 ainsi que Marwan.LID. Je répète M10B8 et Marwan.LID. Je répète M10B8 et Marwan.LID. Ajoutez voilà. Pour des barres de rire et des beaux gosses en perspective. Surtout. Aussi. J'espère que ce live vous aura plu. Alors que le numéro 5 a marqué ses 3 lancers, il me semble. 2 lancers. 2 lancers, autant pour moi. Et c'est la fin du match. On en finit un match. Remets les points, plus de points. C'est donc la fin de ce match. 59 à 48, la victoire de Limbourg. Limbourg qui gagne 59 à 48. Ce fut un plaisir. Un match. Il n'y a pas. Non, il reste là-bas et là-bas. Ouais, mais montre la caméra, elle peut plus là. Ah oui. Ok. Eh ben, c'était un plaisir de rester avec vous durant ce live. A bientôt peut-être.